Pour ce bloc write sidebar, dans un premier temps, on va se créer un fichier ici dans le bloc qui sera de type SSS et on va mettre simplement bloc write sidebar. On va ajouter et pour être sûr que ça fonctionne, on va venir ici et on va ajouter ce fichier bloc write sidebar dans le bloc where. Parce que dans le bloc where, on a le bloc left sidebar. Ce bloc left sidebar, je pense qu'on va le couper simplement. Et on va se créer un nouveau fichier qu'on va appeler bloc left sidebar. Dans ce bloc left sidebar, on va coller tout ce qu'on vient de couper précédemment. Ce bloc left sidebar, on doit l'inclure dans le bloc array juste ici en dessous du bloc wrapper. Donc on va faire un import et pour cet import, on va appeler le bloc left sidebar. De la même façon, on va dupliquer cette ligne et on va plutôt appeler maintenant le block right sidebar. Dans le block right sidebar, on va d'abord couper tout ce qu'il y a ici en dessous parce que ça correspond au code qui doit aller dans le block right sidebar et c'est la première chose qu'on va coller ici à l'intérieur. On sauvegarde. Le block right sidebar, on lui avait simplement déjà préfixé sa valeur ici là qui était le 8 à 33% et le flex qui était également 0, 33%. Ce qui avait pour effet de nous réserver sa valeur qui était ici. Maintenant qu'on a un contenu, on veut le styliser. La première chose qu'on va demander, c'est qu'il prenne une hauteur qui est équivalente à tout ce qu'il aura comme contenu. Donc, on va venir ici. Pour ta hauteur, tu dois prendre le fit content. Un padding top, ça sera simplement 1,5 rem. De la même façon, on va lui donner le même padding bottom. Il sera 1,5 rem également. Donc, on va s'arrêter là pour les paddings. On ne doit plus ajouter un autre padding. Mais on va par contre mettre une couleur de fond. Cette couleur de fond, on va la traiter avec la fonction transparentize. Transparentize. Et on va lui donner le $breakwhite en premier paramètre. Ensuite, on va traiter ça à 0,65. On va continuer en donnant une bordure. Et pour la bordure, ça sera simplement un pixel solide. Et on va utiliser une fonction SSS qui est le lighten. Le lighten prend en premier paramètre une couleur qui est le $setColor et en deuxième paramètre, ça prend un pourcentage auquel ça devra éclaircir cette couleur. Nous, on va donner ici 45%. On va replier notre préprocesseur, notre terminal et on vient voir ce qu'on obtient ici. Et les textes ont décalé. La couleur de fond est différente de la couleur de fond qu'on a ici. Ici, c'est du blanc. Ici, c'est légèrement bleu. Maintenant, comme je l'ai dit, on doit gérer les éléments directement. Quand on redimensionne la fenêtre, vous voyez que les éléments ne font que se compresser. En réalité, on aimerait que tout ceci passe directement en dessous. Par contre, tout ceci aussi prenne tout l'espace qui est disponible en haut. Du coup, on va revenir ici et on lui avait dit que lui, il aura 33%. Ce qu'on veut en réalité, c'est que lorsqu'on sera dans des médias pour lesquels la taille sera $MD, dont les écrans de taille moyenne, on va demander qu'il prenne une largeur de 100%. Et on va également lui donner un flex associé qui sera 0, 0, 0 et 100%. Là, j'ai aussi essayé, je savais que ça ne va pas prendre, mais bon. Un flex qui est de 0, 0 et 100%. Si désormais je viens et que je teste ici, vous voyez que lui, il est passé en dessous. Donc, il va commencer à prendre ses 100%. Par contre, celui qui est juste en dessus ne prend pas encore ses 100%. Et celui qui est en dessus, c'est la block left sidebar. Donc, on va également gérer ça ici. Et on va dire que lorsqu'on sera dans nos médias pour lesquels la largeur maximale, donc on va mettre la parenthèse et ça sera $MD. On veut aussi que lui-même il prenne une largeur qui est de 100% et qu'il prenne le flex associé qui sera de 0, 0 et 100% également. On va actualiser et vous voyez que les éléments désormais se place comme il se doit. Donc on va continuer à traiter ce qui se trouve ici en dessous. On va revenir dans notre éditeur de texte. On va fermer toutes ces autres pages. On a fini avec ça également. On va juste se concentrer sur la block right sidebar. Quand on regarde notre HTML ici, on va replier la pagination, on vient de finir avec. Au niveau du block right sidebar, on a 4 éléments. On a mis 4 classes qui sont identiques, juste dans la mesure où ces éléments auraient un comportement identique. Et on a également ajouté 4 classes différentes pour pouvoir les styliser dans la mesure où ils auraient également des comportements différents.
Donc, on va commencer par le premier élément qui est là. Et ce premier élément, c'est la search widget. La première ici, c'est le input group. Ce input group, lui-même, il porte. Donc, ça porte le form control. Et pour ce form control, on va faire un certain nombre d'éléments. Ça porte également le btn widget. Donc, on va traiter le btn widget lui aussi. Au niveau du search widget en lui-même, on n'a rien à faire. Par contre, au niveau du input group, on a un certain élément, un certain nombre d'éléments qu'on va mettre, notamment position relative. Ensuite, on va mettre une largeur de 100%. On va mettre un display flex, un flex wrap à wrap. Et on va ensuite mettre un align item à stretch. Cette fois-ci, on ne va pas mettre center, on va mettre stretch. Donc, ça va resserrer les éléments en fait. Si on regarde, on ne devrait pas remarquer grand-chose, mis à part que désormais, les éléments se sont recollés et que ce cadre est devenu un peu plus grand. Donc, on va ensuite s'intéresser à l'élément qu'il porte, qui est le Form Control. Et pour ce Form Control, on va également lui donner une position relative. On va lui mettre un Display Block, un Line Height à 2, et la hauteur va être calculée. Donc, ici, on va dire Calc, et on va donner 2,25 rem. À ces 2,25 rem, on va ajouter 2 pixels. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Pour le moment, écrivons d'abord et on va revenir après. On va lui donner un outline à nom, le outline que vous connaissez déjà. Et on va également lui donner un background clip. Ça sera du padding box. Et ici, là, au niveau du préfixe vendeur mouse, on signale que ça ne prend pas du padding box, donc on va le supprimer. On regarde ce qu'on obtient. On se rend compte que le calcul de hauteur a redéfini cette hauteur qui n'est plus la même que ce qu'on avait précédemment. Maintenant, on doit gérer la largeur et la couleur des éléments. On va revenir dans ce même form control et on va lui donner une largeur à 100%. On va lui donner un padding qui sera de 0,375 rem en dessus. On va lui donner 0,75 rem à droite. On va lui donner 0,375 rem de nouveau en dessous. Par contre, à gauche, on va lui donner 20 pixels. La police de texte qu'on va lui appliquer sera simplement de 14 pixels. On va lui donner une couleur de fond BGC qui sera le dollar main color. La couleur de texte en elle-même sera blanche, donc ça sera du dollar white. Ensuite, on interdit les bordures avec un border à none et on va mettre un border radius qui sera de 45 pixels. Ce border radius sera pour effet d'arrondir les bords. Si on cache le border radius, si on commande le border radius dans un premier temps et qu'on regarde ce qu'on a, vous voyez que là, on obtient ceci qui est carré. Maintenant, si on revient réactiver ce même border radius et qu'on repart regarder, vous voyez que les bordures se sont arrondies. De la même façon, on va revenir et on va dire que sa priorité lors des superpositions doit être neutre. Donc, Z-index sera 0. En gros, c'est placé à la couche de base. On va se placer dans le bouton et on va commencer à le gérer. Vous allez comprendre. Pour le bouton, on va lui donner une position absolue et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a donné ici au input group qui est le parent la position relative. Sa position top sera à 50%. Sa position à droite right sera 20 pixels. On va lui donner un padding nul, donc on détruit toutes les éventuelles marges qu'il aurait pu avoir, on les détruit. On va donner une couleur, une taille de texte à 14 pixels. On va également donner une couleur de fond qui sera transparente. De la même façon, on va donner une couleur de texte qui sera simplement du blanc, donc on va mettre de la white. Et on va également lui refuser quelques bordures que ce soit. Donc là, ça sera border à none. On va venir et on va actualiser pour voir. Vous voyez que désormais le bouton se positionne là, mais si on le survole, il y a un effet de box shadow qui apparaît. De la même façon, il n'est pas centré. On a dit que son top est à 50%. Pour le ramener au centre, on va d'abord appliquer une transformation. Et cette transformation, on l'a appliquée dans d'autres cas, c'est le translate Y. On va la mettre simplement à moins 50 pixels. Ça aura pour effet de ramener l'icône vers le haut. Et une fois qu'on met ça, on va également détruire le box shadow qu'on a là-bas et on va demander que ce box shadow passe à none.
on ne le veut pas. On va revenir ici, on va actualiser et c'est remonté, ça s'est bien placé. Maintenant, dans la mesure où on pourrait avoir certaines complications, alors certains conflits, on aimerait que cette icône en fait se voie tout le temps. Donc, à cette icône, on va donner une priorité de superposition qui sera du Z-index et on va mettre cette priorité à 1. Et on vient comme ça de finir avec le bouton. Maintenant, on va s'intéresser quand on regarde ici à ce texte qui est gris alors qu'on voudrait que ce texte soit blanc. Pour ça, on va sélectionner la pseudo-classe qui est associée au champ de texte, le placeholder, et on va simplement changer la couleur de ce placeholder pour lui donner du $white. Si on revient regarder, on actualise, vous voyez que désormais le texte est devenu blanc. Dans notre HTML, quand on regarde, après ce input group qu'on a ici, on a fini avec le search widget. Donc on peut se concentrer maintenant sur le author widget. On va ouvrir le author widget et on a une image et certains éléments. On va donc revenir dans notre CSS tout ici à côté et on va replier le Search Widget pour gagner un peu d'espace. On va descendre tout en bas et on va se créer ici le Author Widget. Pour ce Author Widget, on a un titre H4 et ce titre, on veut simplement lui donner une marge supérieure de 1 pixel. Donc on va lui donner ici un mtop à 1 rem. Autant pour moi, ce n'est pas 1 pixel. 1 pixel est très faible. On va prendre le paragraphe qui contient également le texte dans cette partie de Auto Widget et on va dire qu'on ne veut pas qu'il ait une marge à l'inférieur. On va ensuite se concentrer sur les icônes parce que quand on regarde ici, on avait vu qu'on avait les icônes qui sont là. Et ces icônes, on va devoir les styliser. La première chose qu'on va faire pour ces icônes, c'est bien évidemment de les cibler. On avait donné la classe Social Icon. Et pour ces Social Icon, on va d'abord donner un padding qui sera de 0,5 rem en dessus et en dessous, qui sera ensuite de 0 rem. Et ensuite, on aura 1 rem. Donc en gros, on aura 0,5 rem qui sera la marge en dessus. On aura 0 rem à gauche et à droite et on aura 1 rem en dessous. On va descendre et on va cibler les liens A qui portent les icônes en elles-mêmes. Parce que toutes les icônes qui sont ici dans la Social Icon sont contenues dans les A. Et ce sont ces A qu'on aimerait gérer. Et pour le coup, je me rends compte qu'on avait oublié de mettre des dièses ici pour prévenir d'éventuels problèmes. On va directement mettre ces dièses. Donc je vais revenir dans mon Block Right Sidebar et je vais cibler les A qu'on a dans les Social Icon. Ces A vont avoir une marge à droite dans Margin Right qui sera de 1 rem. On va leur donner une couleur de texte qui sera simplement le dollar font color. On remonte l'éditeur un peu pour qu'on puisse bien voir. On va donner une transition parce qu'on a vu que lorsqu'on survolait ces liens, la couleur changeait. Donc c'est un peu une transformation, mais c'est plutôt une transition. Et cette transition sera simplement sur la couleur à 0,3 secondes et le tout devra se passer en ease. Et de la même façon, lorsqu'on va survoler ces liens, donc on va leur appliquer un hover, on veut simplement que cette couleur qu'on avait définie à dollar font color passe désormais à dollar main color. On va venir regarder ce que ça nous donne désormais ici. On actualise et si je survole, vous voyez que les images se placent comme il se doit. À ce niveau, on a quasiment fini avec le auto widget, mais on a un problème, c'est que de ce côté, les éléments sont centrés et le texte est un peu plus souple, il est un peu plus light. En plus, on a cet espace qui se crée entre cet input ici en haut et le reste de la section qui se trouve en dessous. Donc, on va revenir ici, on va gérer ce problème. Et je pense que pour cet espace, on a oublié de mettre un élément. On va le mettre en HTML. Et pour ce qui est des textes qu'on a ici et de l'image qui n'est pas centrée, on va simplement revenir ici au niveau de notre author widget. On va dire qu'on aimerait avoir un text align à center et on aimerait avoir également un font weight à 300. Ça devrait normalement résoudre ce problème si je ne me trompe pas. On actualise, vous voyez que les textes sont centrés et ils sont devenus light désormais. Maintenant, il nous reste à séparer ce qu'on a là au-dessus parce que l'image touche. On va revenir dans notre HTML et je pense que c'est à ce niveau, juste après ce input group qu'on a oublié de mettre cette div qui a la classe BR également. Donc, on va directement l'ajouter et on va aller la styliser dans notre block right sidebar. Styliser la classe qui est BR. Cette classe va simplement faire une largeur de 100%. Elle aura une couleur de fond BGC qui sera du dièse EEE. Je vais lui donner une hauteur de 1 pixel. Je vais lui donner une marge en dessus et en dessous de 30 pixels. Donc
M, 30 PX. Et à gauche et à droite, cette marge sera simplement nulle. Donc, on va mettre la 0. Je vais sauvegarder et on va regarder pour voir si ça résout notre problème. On actualise et vous voyez que ça résout effectivement notre problème. Donc, à ce niveau, on vient de finir avec le auto widget et on va se concentrer sur la newsletter.